Salut tout le monde, salut YouTube. Allez, on continue Barnfinder. Barnfinder épisode 8. Alors, du coup, bonne nouvelle, j'ai 10 000 balles. J'ai 10 686 balles. Parce que on avait fait le concours d'enchères, la partie d'avant. Et ça valait clairement le coup. On a commencé avec 8 300, on a fini avec 5 000 du coup. Et j'ai vendu tout le matos. Je l'ai pas en off parce que c'est chiant, vous avez vu comment ça se faisait, il fallait chaque fois aller en personne, marchander pour vendre plus cher et vendre. Il me reste, où ça à vendre, 85 balles, 105, et je crois qu'il y a un truc qui coûte cher ici là, 112 et 105. J'ai vendu le plus gros de toute façon, et du coup on a 10 000 balles. Et du coup, qui dit 10 000 balles dit, on est à la radio, et on va... On va là, c'est parti, on va là, qui est ici, let's go, on va faire l'enchère qu'on avait perdu la dernière fois, mais qu'on va gagner ce coup-ci, on va remporter l'enchère, 10 000 balles, alors j'ai appris à enchérir un peu mieux, faut pas mettre directement tout l'argent direct comme ça, on peut leur mettre un 200 ou 500 direct enchérir pour leur faire peur, ça marche. Mais le mieux, c'est d'attendre vraiment le dernier moment que l'enchère soit finie pour enchérir. Comme ça, j'ai l'impression que ça marche mieux et je crame moins d'argent pour gagner l'enchère. Donc, est-ce que c'est prévu ? Je sais pas si c'est conçu comme ça, mais j'ai l'impression que ça marche. De toute façon, on va voir ça de suite. Parce que c'est ce qu'on va faire. Let's go. Avec le reflet soleil, là. Il est quand même... pas trop dégueu ce jeu, ça va, niveau graphique, ça va. Allez go, voulez-vous démarrer la chair? Bien sûr que oui. Ok, let's go YouTube. Donc là on attend, tranquille. Ça commence à 3000, on a 10 000. Hop, on met 250. Voilà, juste pour le fun. Et maintenant on attend. On attend la fin. Vite. Pour l'instant, j'ai cramé que 500 balles. Et voilà. Du coup, j'ai remporté l'enchère pour 4250. Du coup, ça serait passé avec moins de 8000. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on a encore 6000 du coup. Ok, et bien voilà, let's go. On enchaîne. Voyager vers la grange Rick Rook. Chercher une bande dessinée rare. Let's go. Alors, on va pas utiliser la poule maintenant. On va fouiller tranquillou. Parce que la poule, c'est un peu triché. Donc, on va se faire les bails comme ça. On va commencer à faire le tour de la grange. Et après, on ira dedans. Ok. J'allais le téléporter dans le fourgon, mais c'est juste un panneau. Tac, tac. Oh, si je peux récupérer le tracteur. Oh, dommage. Ah, si je peux. Moins 150. Voilà. On va vendre mon tracteur. J'ai pas regardé le prix. 1 500 $. Cette gamme de produits offre puissance, innovation, économie et un excellent rapport qualité-prix. Eh bien, c'est cool. On a un tracteur. On va vendre un tracteur. On fait le tour tranquille. On peut rentrer là-bas. On peut creuser. Let's go. On creuse. Et on a trouvé un aspirateur. Hop, il y a là. Bim. Bim, 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 bim. On va pas la casser la table. Le banc, oui. On peut totalement l'arracher. Tac, ok. Bon, de son, on va pas se prendre la tête. On fera avec la poule. Du coup, il y a un PQ à nord à toutes les maps. A priori, on peut passer par là. On va pas y aller maintenant. On va se laisser le suspense. Il n'y a pas de truc par terre là? Si. Il y a plein de trucs par terre en fait. On va se laisser le suspense. Let's go, on rentre dans la grange. C'est parti. Interdit aux aliens. Tac, ok. Ça se vend ça. On peut pas passer. Hop. Là, il n'y a que dalle.
On ouvre. On ouvre toutes les portes. Ok. La chaise, il y avait rien dessous, non. Ah voilà, il a trop picolé, il a fini comme ça. Oh le chapeau, pas mal. Ah, j'ai pas mis le chrono. C'est parti. Parce que si la vidéo dure 30 ans, comme je les traite en 4K, ça met 3 plombes à la montée, quoi. Et c'est un peu chiant. Dans tous les cas, je mets toutes les vidéos en 4K. Donc n'hésitez pas, si vous avez la connexion, allez dans le petit rouage, le petit engrenage paramètre quand vous lisez la vidéo. Et n'hésitez pas à mettre la vidéo en 4K ou en 2K, ça marche aussi bien. Comme ça, vous aurez une meilleure qualité. Une meilleure qualité. C'est plus mieux. Une bétonnière, on vend. Hein, et ça sera réparé en plus. Pour l'instant, on est bien là, tranquille. On y va, peinard, on fouille. On aura de rien oublier. On s'en sort bien. Ah, on s'en sort bien, mais ça veut pas me le prendre. Pourquoi? Parce que c'est bugué, je crois. C'est totalement bugué. Ouais, ça c'est totalement bugué. Je peux pas le ramasser. Ah, dommage. Dommage, dommage, je peux pas le ramasser. Et si je fais ça? Tu le vois là pourtant. Bon, mais tant pis. Tant pis, tant pis. On va là-haut. Bim. On grimpe. Faut trouver des BD. Un petit renard. Ça, je vends. Oh. Salut. Salut. Au revoir. Ciao. Wow. Ah. Je crois qu'ils se sont écrasés. Il a voulu faire un petit looping là. Il s'est dit attends, je vais faire une petite figure. Il va faire waouh. Ah ben ouais, ben tu peux écraser. Hein. Est-ce qu'on va avoir la réponse de ces aliens au fur et à mesure, hein? Parce qu'on les voit, ils viennent nous acheter des trucs des fois. Il n'y a jamais rien là-dedans. Ok. Je peux récupérer les panneaux. Ah, je peux récupérer les panneaux, stylé. Ben on a fouillé là. Ah, il nous manque ça. Bam. On a fouillé. Ben on va aller. On va aller là-haut. On va aller voir ce qui se trame là-haut. Hop. Ok, on a vu un passage ici, on va y aller maintenant. Ah, il y a un truc là. Ah, je peux casser du caillou. C'est pas mal ça. Ça me donne quoi le caillou? Ah, tu lui manques que dalle. Non, ça me donne rien le caillou. On va quand même tout casser. Voilà. Oh. Oula. Un bunker. On est tombé dans un bunker. Oh cool. Une française. Du coup, il faut une carte bleue a priori. Là aussi une carte bleue. Ok. Ok, on a coupé l'électricité dans la salle. Donc on peut rentrer.
D'accord, il y a un passage en bas là. Là, il y a un truc là. Là, il y a un truc là. Une carte d'accès, Day 9. yes. They called me insane. That's why I've been here for more than a week. It's just me and Mr. Fox now. Il va devenir folle. Ok, là y a rien. Là y a rien. Ok, on rase les murs du coup s'il y a une espèce de truc avec un trou. On peut aller là. Mais on a une carte orange. Je suis pas sûr que la carte orange marche ici en vrai. Peut-être là. Hop, j'avais même pas fait gaffe qu'on pouvait acheter le. Qu'on pouvait vendre le truc. Eh bien allez, on va là-bas. Ah bah y'a que ça. Ok. Donc on sait qu'il faut revenir ici. D'accord, d'accord. On se casse et on va chercher une carte qu'il nous faut. C'est parti. On va continuer là-haut. Il y avait un truc. Non, je croyais. C'est les effets de lumière en fait me trompent à chaque fois. Il y a un truc à creuser ici. Oh, stylé. Je me mélange la touche à chaque fois. Normalement, dans les jeux, la hache, je la mets en 3. Ok, juste au cas où, on va pas essayer de faire la Yamakasi, toujours pareil, sinon on va se bugger. Ça va pas le faire. Ben, on va là-dedans, c'est parti. Ah. Utilise la clé pour ouvrir cette porte. D'accord, donc il nous faut une clé. On peut creuser là. Oups là, on va creuser avec ça, c'est mieux. Donc il nous faut une clé, c'est parti, à la recherche de la clé. La grange, il me semble que j'ai tout fouillé. Mais j'ai pas regardé un truc. Un passage là. Voilà, je. Non, c'est... Je suis bloqué par un mur invisible. Je pense que la clé est pas là-dedans. Je pense que la clé est contre le mur de la grange. Je pense. On va, c'est le moment d'utiliser la poule. Je sais pas si ça peut me détecter la clé. Froid. Froid. On n'a pas cassé là déjà. Après, j'aurais pu me servir de ces blocs pour faire pour monter sur le toit. J'ai pas pensé à ça, à moins que. Oh, mais c'est bon. Impeccable. Est-ce qu'il y a un truc sur le toit? Ah, bon, si on peut pas monter là, a priori, il y a que dalle. Ok. Hop, il y a ça. Bim. Donc la clé, il me faut une clé. YouTube. Allez, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, c'est que je cliquais mal. Fallait cliquer bien là, en fait, ici. Et du coup, j'ai réussi à ouvrir la porte ici. Oh là là, compliqué, hein. Compliqué, compliqué. En fait, il faut vraiment être sur la hitbox précise là. En cliquant là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Faut cliquer pile là. Ça fait 20 minutes que je tourne à peu près. En vrai, ça fait 10 minutes que je tourne et que je trouve pas. Je cherche une clé. Et du coup, je l'avais clairement sur moi. C'était la carte. Impeccable. Allez, on continue. Ah, ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Je cherche des énigmes en fait, trop. En même temps, ça commence à être compliqué un peu. Faut commencer à bien tout fouiller, commencer à bien prendre le temps. En scannant trop vite, je rate des trucs. Faut vraiment faire étagère par étagère. C'est quoi? Ok. Bim. Bim. On casse tout, hein. Par contre, là, pas de pitié. On arrache tout. Voilà, voilà, voilà. Bim, bim. Ça aussi. Là, il n'y a rien. On casse, on casse. Ouh, je... oh, oui. Heureusement que ça marche pas. Le... Ça aurait fait un gros boom. Tac, tac.
Donc ça, il m'en faut ça pour réparer les objets. C'est pratique. Ah, carte bleue. Yes. Me and Mr. Fox are developing a new system of key cards so that we can protect our food, our beer and our comics from them. Oh là, je vais galérer. Ouh là là. Je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Oh, je pensais plus galérer. Donc là, là ça marche pas. Mais si je fais ça, ça marche pas non plus. C'est parce que c'est pas celle-là alors. C'est parce que c'est celle-là. Vous voyez, ça marche pas. Mais si je fais ça, là ça marche. Et moi je cliquais là, moi. Pour me demeurer. Ils auraient pu faire l'hitbox un peu plus large quand même. Heureusement que je suis revenu là, parce que j'aurais pu tourner pendant un long moment. Hein. Là j'ai tourné pas mal, je trouve. Micro. Il y a un truc à récupérer là. On dirait qu'il y a... Non. Non. Du tout. Ça, c'est ça qui bloquait la porte, du coup. Hop, on peut ouvrir. Je suis rentré dans cette pièce. Et il n'y avait pas de truc particulier. Ça, c'est bizarre. Il y a forcément quelque chose là-dedans. C'est obligé. C'est pas possible qu'ils aient mis que ça, en fait. Surtout que j'ai pas d'autre passe. Si je réactive l'électricité, ça fait quoi? Si je coupe l'électricité plutôt. Il y a un truc là. Oh, comme il fallait trouver ça. Raté. Faut que je m'accroupisse, je pense. Est-ce que je peux sauter accroupi? Non. Ah, attendez, ça va être compliqué là. Faut que je fasse un counter strike. Counter strike, c'est sauter, s'accroupir. Voilà, ça marche tous les coups, counter strike. La clé. Day 75. There is proof that our planet has been and still continues to be visited by extraterrestrial life. Wow. But until we are able okay, to capture and study them, the question will remain. Dommage le canapé, je puisse pas le vendre, il était pas mal, en plus. Do aliens really exist? Oh. And why do they need so much moonshine? Oh, la carte jaune, yes. Je sais pas où elle va, mais yes. This bunker leads to my family mine. Grandma always told Dad that all that carbon dioxide would melt our brains like pudding. When this war is over, Mr. Fox and I are going to open this mine once again. Bim, voilà, on a tout nettoyé là. Carte jaune, elle va là. Tac, 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 on va voir s'il n'y a pas les trous dans le mur. Le premier homme qui a marché sur la lune avec un alien. Il est où le projo? Non. Oula. Bon, mais là, on sait que c'est la rouge. Hein. Et oui, ça sera sûrement la dernière. Ah non, il me faut aussi une clé pour entrer dans la porte là-bas. On va finir cette salle avant d'aller fouiller là-bas. Oh, cool! Ça, ça doit avoir la thune, ça. 300 balles! C'est tout? Genre ça? Ouais, ça me vaut 570. Ok, on va récupérer des petits pantalons. Je ferme la porte au cas où s'il y a un truc accroché derrière la porte. Ils sont capables. Ils sont clairement capables. Celle-là, on peut ouvrir. Oh, la guitare. Yes. Combien la guitare? 82 dollars. Incroyable. Le lit, il donne de la corde. Hop, on va casser la table. Ça, on récupère. Bim. Et on casse. Ok, il n'y a que dalle ici.
coup là, le drapeau américain. Hop, la chaise en arrache. Y'a que dalle. Par contre, ça fait une espèce de d'escalier, on dirait. Non, on peut pas récupérer. On peut pas récupérer les drapeaux. Pas du tout. Ben on a tout fait là. Non, ça, on a une carte. On a une carte jaune et bleue. Peut-être là. Ah, il y a un truc là. Non, c'est vrai. Ici. Bon, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est peut-être ici. Hein. Yes. Let's go. Waouh. Oh la vache. Oh, tous les papiers qu'il y a à récupérer là. Mais rien qu'avec les papiers qu'il y a par terre, c'est bon, je suis refait. Hop, carte rouge. The space fleet never came. I'm willing to go outside. Oh, attendez. Naked, but not afraid. C'est notre grange. C'est la première grange qu'on a fouillée ici. En fait, elle est comme moi. Elle a vu les aliens. Oh my god. Ouais, elle a vu les aliens, sauf qu'elle elle a fait un tableau avec... elle radait où ils étaient à chaque fois. Ramasse les preuves. Il faut ramasser les preuves. Ok, ça ramasse en... Ok, c'est pas une par une, heureusement, parce que sinon j'en ai pour 30 ans. Mais t'as la lumière. Ouais. Ouh. Ok, on y est arrivé. Eh ben, oh, la carte verte. Day 189. Yesterday, Mr. Fox was contacted by a secret space fleet organization. They should be able to rescue us. Mr. Fox also likes to hide our key cards just for fun. Such a character! On n'a pas toujours trouvé le PQ. Mais je pense qu'il va être un peu compliqué à trouver ici le PQ. Yes. Du premier coup. Oh, machine à café. Je pense qu'il n'y a pas envie de la vendre celle-là. J'ai envie de la garder plutôt. Carte violette. Il nous reste la violette et la rouge. Ouais, j'ai tapé, mais je crois que ça allait exploser. J'ai eu peur. Diarrhea, dehydration, and fecaloid vomit. During our sleep, they poisoned our food with their neurocognitive neural weapons. But we don't need food. Our genes are strong, like Dad used to say. On va aller là d'abord. Parce que là, c'est le coffre-fort, là, clairement. Bizarre, ça. Oh. Ah, c'est ça les BD. Oh. Et ben, on a déjà récupéré les BD, c'est cool. Ça se trouve, le PQ il est juste là. Moi, j'aurais été un développeur, je l'aurais mis là le PQ. Eh ben non.
Eh ben non, ils ont. Ouais, ben ils se sont dit, waouh, c'est trop facile. Ouais, mais juste pour la vanne. Par contre, il y a moyen que ça soit une grille comme ça que j'ai raté. Il y a clairement moyen. Je peux pas, hein. Je ne peux pas, si. Ok. Là, il n'y avait pas de grille par terre. Je vais faire juste un petit tour pour voir si j'ai pas raté une grille par terre. Celle-là, c'est fait. Et là, il n'y en avait pas. Bon, ben on va à la carte rouge. Hein. C'est parti. Carte rouge. Let's go. Le coffre fort. De toute façon, on a quasiment tout ramassé. Il nous manque un truc, mais comme c'est bugué, on peut pas. Du coup, quand on reviendra. Et si on trouve le PQ sur la route, on le ramasse. Sinon, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, truc ramassé là. Attendez. Voilà. Ah, mais non, ça compte pas comme un objet, je crois. Là-bas, comme ça. Ouais. En fait, c'est les gros objets qui sont comptés. Donc du coup c'est bon. Je risque à me perdre. Ah là c'est la sortie. Ok. Donc là, on a la sortie mais on n'a pas la clé. Après je sais pas pourquoi il faut une clé. On peut juste refaire le tour en fait. Voilà, on a la clé. On a la clé, yes. C'est quoi ça? Sac à dos. Cosmonaute. Incroyable. Ça vaut combien ça? Invendable. Pourquoi? Pourquoi c'est invendable? Bah écoutez, on va le prendre. Mais je sais pas pourquoi. Ah, ça parce que c'est peut-être pas complet. Je sais pas. Tous les objets ont été récupérés, yes. Sauf le PQ. Voilà, ça, ça compte pas pour les objets principaux. Par contre, j'aimerais bien trouver le PQ en vrai. Eh ben voilà, on a trouvé le PQ. Oula, ça va être compliqué. One shot YouTube? Pas du tout. Mais alors pas du tout one shot. On y retourne. Waouh, mais ils sautent. Ah ouais, ils sautent vraiment loin par contre. Alors attendez, on va faire un petit jump. Ah, ça va être compliqué. Après il faut revenir. Ok. Ok, ok. Eh, c'est dur. Ça paraît pas mais c'est dur. Ah ils sont sympas. Oh ils sont gentils. Ils ont vu que j'ai galéré je pense. Et là, est-ce que du coup... Alors du tout. Ils se sont dit, bon, on va quand même le faire galérer pour partir là-bas. Ah oui, mais ils sont vraiment trop loin, en fait. Ouah, ça passe. C'est bon. On a tout récupéré. Trop bien. Trop bien, trop bien. Les derniers dollars qu'on peut trouver, on les ramasse. C'est fini. On se casse. On n'a même pas eu besoin d'utiliser la poule. Enfin, moi, je l'ai utilisé en off pour chercher la clé. Mais alors, ça ne trouve pas les objets comme ça. Et en plus, on a un tracteur. Ça, c'est bien, ça. On va vendre un tracteur. C'est cool. 1500 balles, le tracteur. On peut le vendre, je pense, 2000. Si on se démerde bien. Qu'on fait du perfect, c'est 2000 balles. Je veux juste voir... Il s'est passé quoi? Ah, donc, il charge le tracteur, je pense. Je pense qu'il charge le tracteur. 26 sur 26, objet d'émission 1 sur 1. Papier toilette en or 1 sur 1. Objet de collection 3 sur 4. Ah, il a manqué un... Il manque un objet de collection. Mais c'est pas grave. On se casse. On se casse, on se casse. Et grosse machine, 1 sur 1, qui est le tracteur. Donc là, on va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rader l'objet là. Que le sac à dos de Cosmonaute. Que je comprends pas pourquoi c'est marqué invendable. Est-ce que c'est pas complet ou sale? Je sais pas. Même quand c'est sale, j'ai le prix. On va voir. On va voir ça de suite. Bim, décharge. On a quoi? Ok. Ça, c'est à réparer. Mandable, nickel. Ça, c'est à réparer. On a deux trucs à réparer. Trois trucs à réparer. Un truc à laver. Ah, c'est qu'il n'est pas complet. D'accord. C'est juste qu'il n'est pas complet. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Du coup, si je fais ça, la chaise, l'aspirateur, je pourrais mettre. Je pourrais mettre du coup le renard.
Hop, ouais, là si. Là je pourrais mettre et là je pourrais mettre. Ok. Lorsque vous serez prêt, allez dormir dans la salle du concierge. Yes. Est-ce qu'on irait. Est-ce qu'on on lave? On lave les trucs? On va laver. On va laver comme ça, c'est fait. On a quoi à laver? On a rien à laver. Ah si, on a la guitare à laver. Objet nettoyé, hop, voilà. Est-ce qu'on avait autre chose à laver? Tac, 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 non. On a ça à réparer. Ok. Bon, on réparera plus tard. On réparera plus tard. On va aller dormir. On casse le bar. Hop, bim, ça dégage. Bah allez, dodo. On a combien? On a 6800. Une fois qu'on aura vendu, on sera bien. Hein, on sera plutôt pas mal. Allez, dodo. Mardi 7h. Et ben voilà, utilisez votre boîte à mail pour emballer et envoyer Hyperman. Et ben ça, ce sera comme d'hab pour le prochain épisode. Allez, on s'arrête là. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.